Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la maison en bois de chez Action, décorée en vintage que j'ai fait avec vous. Donc il y a trois parties en tuto. Voilà, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Voilà, donc ben, on y va. Alors voilà la maison que j'ai réalisée. Avec de la dentelle, des serres, des sapins, des pins de pin, voilà, des roses, des petites boules qui font un peu boule de neige. Le papier, c'est du papier Stamperia, c'est la collection de Noël, c'est celle-là. Ah, bien sûr, j'ai mis des trucs devant, donc vous allez les voir. C'est celle-là. Voilà. Après, je me suis servi de petites roses en satin blanche et rouge, de roses métallisées en tissu, de petites roses pailletées rouges et blanches, enfin blanc avec un peu de vert, des dorés. Voilà, donc j'ai mis des petites clés, un petit ange, des pines de pin. Là, j'ai fait un genre de faux journaux avec des chutes de papier. Là, il y a des champignons. Mais bon, vous voyez, des pines de pin. Il y a des glands. Des petits cerfs en bois. La rose. J'ai mis, je sais pas si vous le voyez, ressortir. Bon, il y a encore des fils, hein, je n'ai pas nettoyé. J'ai mis de la neige après, de la fausse neige, un peu partout. Voilà, là c'est un petit train que j'avais sur les pinces là, que j'avais pris en rose. Petite fleur à dentelle au fond. Voilà. Là, le petit garçon. Voilà. Là, j'ai mis des feuilles métal. Voilà. Là, il y a une petite clé métal aussi, parce que bon, c'est quand même du vintage. Donc on essaye d'adapter les deux. Je mélange les deux en fait. Noël et le vintage. Bon, moi je la trouve sympa, franchement. J'avais un peu peur de la décorer, je savais pas trop où aller. Finalement, le rendu est pas mal. Là, pareil, c'est une fleur en métal. Et là, j'ai mis une petite boule aussi, pailletée. Voilà, et ça, c'est les fleurs blanches en tissu. Normalement, elles sont métalliques, mais en fait, ça se voit pas. Elles sont pas. Donc voilà. Là, je vous montre le côté, il y a la petite fille. Bien sûr, tout est ancré, hein, les papiers, puisque c'est quand même du vintage. Donc, voilà. Le derrière. Donc, pour celles qui ont vu le tuto, je vous montre derrière. Du coup, je suis venue mettre des fleurs. Alors, des fleurs plates, pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur derrière, que ça tienne droit. Voilà. Là. Et l'autre côté. Voilà. Et là-dessus, je suis venue mettre des petites fleurs. Voilà. Donc, ben, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Ben, si vous voulez vous lancer à décorer une maison, ben, vous avez les trois parties du tuto. Voilà. Ben, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.